Bonjour. Donc, je vous reçois pour votre projet de cuisine, c'est ça? Très bien. Donc, je vais juste reprendre votre nom pour accéder à votre dossier, s'il vous plaît. Ok, on n'avait pas encore créé. Avant de commencer. Donc votre nom c'est bon. Votre prénom. Ok. Code postal. Et votre adresse. Et votre numéro de téléphone. Ok, très bien. Donc, je vais vous poser quelques questions pour commencer. Proposer de mieux par rapport au style de cuisine que vous souhaitez, la surface disponible, les types de rangements. Ok. Alors, tout d'abord, à quelle fréquence utilisez-vous votre cuisine? Est-ce que c'est vraiment à chaque repas, juste une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes un grand cuisinier ou est-ce que vous cuisinez vite fait histoire de survivre? Cuisine, ça, comment dire, quand on a une belle cuisine bien équipée, ça nous motive plus à cuisiner ses plats et on prend du plaisir justement à cuisiner. C'est vrai qu'on a une cuisine qui est pas pratique, on essaye d'éviter. Ok. Votre cuisine actuelle, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce que vous pouvez me la décrire un petit peu? Au niveau des électroménagers, tout ça. Ok. Est-ce que vous avez un lave-vaisselle? D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre cuisine actuelle? Ok. Manque de rangement. Elle est de quelle couleur? D'accord. Donc la cuisine pour laquelle vous me consultez, donc votre future cuisine, ça sera pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, pour remplacer la cuisine que vous avez actuellement. Ok, un déménagement, très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de cuisine, il n'y aura rien du tout où vous déménagez. Ok.
vous, vous avez une idée précise de la cuisine que vous voulez, de la forme, est-ce que ce sera une cuisine en droite, en L, avec îlot? Vous êtes ouvert aux propositions. Ok, très bien. Donc, par rapport à ce que vous m'avez dit, on va parcourir le catalogue ensemble. Donc, pour vous montrer ce que j'ai. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à votre budget? Enfin, ça vous donnera aussi une idée des budgets, ce que vous pourrez faire en fonction de votre budget. Donc, il faut savoir que en fonction des matériaux que l'on choisit pour le plan de travail, les étagères, etc., de l'électroménager, le prix va du simple au double. Donc après, à voir ce que vous voulez privilégier entre la qualité des matériaux ou la matière, la surface de votre cuisine. Par exemple, si l'appartement dans lequel vous allez aménager plus tard, vous souhaitez le faire louer, je vous conseillerais pas d'aller dans du matériel, enfin des matériaux haut de gamme. Je vous recommanderais plutôt le bas de gamme ou moyen de gamme. Si vous comptez y vivre des années dans ce nouveau logement, là par contre, vous pouvez aller sur des matériaux haut de gamme, comme ça vous limitez les risques, on va dire, de problèmes, de détérioration, etc. Et donc, comme vous le voyez, il existe plusieurs formes de cuisine qui va dépendre de la configuration de votre pièce. Donc, par exemple, on a l'implantation linéaire, juste ici. On peut avoir des implantations en L, si vous voulez mettre votre cuisine au niveau d'un angle. L'implantation en U. L'implantation avec îlot. Et l'implantation en parallèle. Donc voilà, est-ce que parmi ces formes-là, par rapport au plan de votre pièce, est-ce que il y a quelque chose qui vous convient le plus? D'accord. Ok. Donc on va voir au niveau des styles maintenant. Sachant que chaque style, vous pouvez le décliner en plusieurs configurations. Donc là, par exemple, on a un style donc avec îlot, vous pouvez le décliner en L, en U, en I. Voilà. Donc là, on a quelque chose de très simple, mais qui est très tendance. Donc ça va être des meubles de cuisine dans les tons un peu crème, pas complètement blanc mais plutôt crème claire, et puis un plan de travail en bois. Ça, c'est très tendance en ce moment, c'est vrai que c'est assez intemporel, donc voilà.
chose dans le même style mais avec un autre style de bois. Donc là, une cuisine pour une petite pièce. Et pareil, vous voyez la faïence en carrelage. C'est assez tendance aussi. Le désavantage, c'est qu'il y a des joints et ça peut être difficile d'entretien. Si l'entretien vous fait peur, je vous conseille d'opter pour une faïence en une seule pièce, un seul bloc, qui sera beaucoup plus simple à nettoyer. Là, on a un style de cuisine blanc. Alors le blanc, faut faire attention parce que ça va dépendre de comment est décorée votre pièce, la couleur de vos murs. Si vous comptez garder vos murs tout blancs, je ne vous recommande pas parce que ça fait un peu hôpital. Après oui, quand on choisit bien sa faïence, qu'on a de la déco avec des petites plantes vertes, etc., ça peut être très joli aussi. On a des styles un peu bohèmes qui sont assez tendance aussi, avec par exemple du vert pastel. C'est une couleur qui marche bien. Celle-ci, elle est vraiment sympa avec le bois et les façades en verre. Là, on est toujours dans le verre, mais cette fois-ci avec la faïence. Mais il faut y penser. Il faut vraiment imaginer toute sa pièce à l'avance. Après, on a des styles contemporains, c'est ce qu'on vend le plus. Donc, on a la cuisine noire. Ça, je vous recommande plutôt si vous avez vraiment une grande surface, une grande pièce. Si vous avez un petit appartement avec une cuisine qui ne sera pas très grande. Je vous recommande pas forcément parce que le noir, ça va visuellement, ça va réduire votre espace. Et puis c'est salissant, ça prend la poussière aussi. Bon après voilà, c'est une remarque personnelle, bien sûr. Le noir reste quand même quelque chose. Très vendu aussi, ce sont les plans de travail effet marbre. C'est vrai que c'est très joli, mais il faut faire attention parce que beaucoup de personnes se lassent du marbre. Le style qu'on vend le plus. Là, j'en profite pour vous montrer une configuration donc droite mais avec colonne sur chaque côté. En gros, votre cuisine elle fait un arc. Et ça, c'est vraiment très sympa. Si vous voulez de la couleur, on peut proposer autre chose encore. Le rose, très à la mode en ce moment.
On a des nuances de bleu vert aussi qui sont très sympas. Par exemple, si vous ne comptez pas peindre vos murs, avoir une cuisine colorée, ça peut être une très bonne option si on veut rajouter de la couleur dans la pièce. Ensuite, là, on a le bleu marine. Et pareil, le foncé, c'est, je vous conseille si vous avez une grande pièce. Après, c'est vous qui faites le choix final, bien sûr. Le vert, vraiment rose et vert, c'est les deux couleurs qui marchent beaucoup en ce moment. Et après, on a des styles un peu plus classiques. Voilà, il me semble que c'est pas ce que vous cherchez. Mais qui font moderne en même temps, comme celui-ci qui est très sympa, qu'on a en plusieurs coloris bien sûr. Après, on a le style industriel. C'était tendance il y a quelques années, là ça l'est plus trop, mais on a essayé quand même de faire quelque chose de moderne qui reste intemporel. Donc là on a vraiment un style industriel. Également des aménagements autres. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez tous les coloris et toutes les matières qu'on peut proposer. Donc on a du mat, on a du brillant, donc ça va être pour les façades. On a du bois aussi, plusieurs styles de bois, des façades cadrées, donc ça va être plutôt pour des styles classiques. Dans le moderne, on va vraiment rester sur celle-ci et celle-ci. Pourquoi pas une petite surface brillante, après ça c'est plus salissant. De détails. Voilà, c'est ça que je cherchais. Faudra qu'on voit ensemble aussi pour les poignées. Quel type de poignée vous préférez? Sachant qu'il existe aussi des effets sans poignée, notamment ceci, mais c'est plus cher. Si vous voulez faire des économies, vous pouvez utiliser des poignées qui sont vraiment en haut de la surface de la façade, qui se voient moins, qui sont moins mis en avant. Sinon, si vous voulez quelque chose de moins cher, on peut vous proposer toutes ces poignées.
Cori Inox, c'est ce qu'on vend le plus, c'est ce qui va avec le plus de choses. Voilà. Donc pour les plans de travail, je voulais vous montrer aussi mes électroménagers. Les éviers et mitigeurs, ça paraît important de penser à ça déjà à la taille du vasque. Si vous voulez double vasque, simple vasque, petit cante, le type de mitigeur aussi. Donc ce qui est tendance, c'est ça. Les arbres classiques, économiques, ceci. Mais c'est pas pratique pour faire la vaisselle. Ce qui est le moins salissant, c'est ça. Un évier couleur crème, mitigeur couleur crème. C'est pas le moins cher. Donc si vous voulez faire des économies, c'est pas la priorité. Sinon, ce qu'on vend surtout, c'est les éviers noirs avec mitigeur noir ou inox. Vous voyez, on a simple vasque, double vasque. Électroménagers. Voilà. Sachez que on peut vendre, pour faire des économies, on peut vendre plusieurs électroménagers en lot d'une même marque. Ça nous permet d'économiser 100 à 200 euros sur l'électroménager, donc ça peut être intéressant. Alors après, électroménager, en prix, ça va du simple au double. La même chose, c'est juste au niveau du four. Il faut que il faut décider entre plusieurs types de four. Donc au niveau du nettoyage, par exemple pyrolyse, catalyse, etc. Au niveau des plaques, on peut aller de 2, 3 à 4 emplacements sur les plaques et choisir si on veut induction, vitrocéramique, gaz. Sachant que moi je vous conseille l'induction, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est pas plus cher, un peu plus facile d'entretien. Après, est-ce que vous voudriez intégrer un lave-vaisselle, est-ce que vous voudriez intégrer un réfrigérateur dans les meubles, ou est-ce qu'on met le réfrigérateur à part? Intégré ou à part, sachant que si vous le prenez à part, je vous conseille de l'acheter de votre côté et de ne pas passer par nous, ça reviendra moins cher. Et au niveau de la hotte aussi, donc on a plusieurs styles de hotte, des hottes inclinées, des hottes droites, donc qui sont tous les deux des hottes qui sont visibles dans votre cuisine. Il existe aussi des hottes qu'on met directement sur les plaques. Bon, là, après, c'est un autre budget et il faut avoir un peu de place.
visibles qui sont intégrées dans les meubles. Donc ça peut être une hotte comme ça qu'on ouvre en fait, on ouvre le placard pour ouvrir la hotte. Ou sinon des hottes droites qu'on va intégrer dans le meuble. On a reçu une cave à vin, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, j'ai pu vous sortir votre devis. Donc j'ai essayé de l'adapter au maximum à votre budget. Voilà, vous avez vraiment listé les éléments de votre cuisine. Voilà. Recto verso, vous avez tout. Donc avec le prix de la TVA. Sachant que si c'est une rénovation, vous avez une TVA réduite. Enfin, vous pouvez avoir une TVA réduite. Alors, donc j'en suis arrivée au prix de 10 449 euros et 22 centimes. Donc on est au-dessus de votre budget. On est bien d'accord. Mais j'ai pu optimiser l'électroménager, faire des lots, ce qui fait une remise assez importante de 1301,77 €. Ensuite, j'ai pu aussi faire une remise par rapport au choix des façades et du plan de travail. Vu que les deux viennent du même fournisseur, vous obtenir une remise de 399,05 €. Et sur la pose, j'ai pu vous obtenir une remise de 1248,40 €. Cette remise, c'est par rapport aux offres du moment, à l'offre de la rentrée. La pause est offerte. Donc voilà, et vous serez revenu à 1248 € avec la promotion du moment. On vous le met pas. Enfin, la pause est gratuite. Ce qui vous fait une remise totale de 2949,22 €. On était à 7500 et des brouettes, vu que votre budget c'est 7500, j'ai fait un geste commercial et on arrive bien à 7500 €. Donc on est pile poil dans le budget parce que j'ai pu rater vos mises intéressantes. Et là je vous ai mis un plan
de votre cuisine. Donc avec l'îlot au milieu, la ligne, l'électroménager dans cette colonne et les étagères ici. Sachant que la hotte est derrière ce meuble caché. Je vous transmets ce devis. Tenez. Je vous laisse réfléchir et revenir vers nous si la proposition vous intéresse.